Aujourd'hui, je vais commenter au pas de course les réactions, ou plutôt un certain type de réaction en particulier à ma dernière vidéo consacrée aux appels à l'émotion du chat sceptique. Alors c'est assez exceptionnel sur la chaîne que je fasse une vidéo pour commenter la vidéo qui est sortie une semaine avant. Je vais rester le plus synthétique possible pour épargner votre temps. Petit 1, je voudrais remercier la quasi-unanimité des commentateurs, en particulier ceux qui sont intervenus pendant les premières 24 heures, parce que si on met de côté les habituels trolls qui insultent l'auteur de la vidéo et qui insultent des gens avec qui ils sont en train de discuter dans les commentaires, etc., en fait, la quasi-totalité des gens, je pèse mes mots, a laissé des commentaires argumentés et courtois. Et je précise pour ceux qui n'ont pas été se promener dans l'espace commentaire, un exercice qui vaut la peine d'être fait, qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui ont contre-argumenté par rapport à mes propos, ou qui ont nuancé mes propos. Il y en a aussi qui étaient tout à fait d'accord. Mais ceux qui étaient en désaccord ont su s'exprimer avec de la politesse et une attitude consistant à argumenter et à produire de la recherche intellectuelle, produire de la rigueur intellectuelle, voilà, un débat constructif qui tire normalement la réflexion de tout le monde vers le haut. Donc ça m'a fait très plaisir, c'était une agréable surprise. Merci à toi si tu fais partie de cette population. Ce qui m'amène au deuxième point, parmi les commentaires, il y a eu notamment le chat sceptique qui a répondu, ce qui est légitime puisqu'il a un droit de réponse. Je ne vais pas disséquer son commentaire ici, c'est pas l'objet de la vidéo. Je vous invite à aller voir sa réponse et à vous faire votre propre avis sur la pertinence ou l'absence de pertinence de ses arguments. Je vais juste commenter la toute première phrase de son commentaire. Pour commencer son intervention, le chat sceptique nous dit la phrase suivante. « J'ai particulièrement aimé comment tu choisis de ne parler que de 10 secondes d'une vidéo consacrée au terrorisme qui dure plus de 8 minutes et dans laquelle j'ai mis 3 semaines de travail. » Alors, mentionner les 3 semaines de travail, tant mieux si ça donne un élément factuel supplémentaire aux gens qui liront ce commentaire, mais en l'occurrence, comme je n'ai pas attaqué le chat sceptique sur sa vitesse de publication ou sur le temps qu'il mettrait ou ne mettrait pas à préparer ses vidéos, on peut se demander ce que vient faire cette précision-là et en quoi elle est pertinente. Et bien justement, il faut la relier au début de la phrase, quand il oppose les 10 secondes que j'aurais choisi de commenter avec les 8 minutes de durée totale de la vidéo. Ça s'appelle un effet de cadrage, alors je ne sais pas s'il est volontaire ou inconscient de la part du chat sceptique. Toujours est-il que c'est une manière de présenter les choses, et effectivement le segment que j'ai commenté fait peut-être 10 secondes, mais elle est éminemment incomplète. On pourrait dire que j'ai choisi de commenter 2 vidéos et un commentaire laissé sous la chaîne d'une tierce personne, par exemple. On pourrait dire que j'ai choisi de commenter, par rapport à la vidéo sur le terrorisme, un passage court dans lequel le chat sceptique a réussi à caser 2 appels à l'émotion en l'espace de quelques secondes. C'est aussi des manières factuelles de présenter les choses. Et évidemment, en présentant la situation comme il le fait dans cette phrase, hein, en opposant 10 secondes à 8 minutes, il produit un effet de cadrage qui permet de dire que, enfin, de sous-entendre que j'ai fait du cherry picking, que ce que je dis ne saurait être pertinent parce que je suis passé à côté de la substance de la vidéo, etc. Et si tu rajoutes du coup un autre contraste, qui est le contraste avec les 3 semaines de travail, ça permet encore plus d'attaquer ma vidéo en disant « Ouh là là, tu ne tiens pas compte de tout le travail qui a été fait, etc. Tu es un méchant. » On retrouve, une fois de plus, quelque chose qui fait appel à l'émotion. Puisque, je le répète, j'ai pas du tout attaqué le chat sceptique sur sa vitesse de publication ou sur le temps qu'il met, la quantité de travail qu'il fournit pour les vidéos. C'est juste pas le débat et c'est un effet de cadrage. Et pour conclure, petit bonus, je vous invite à réfléchir, à chronométrer chez vous, vous faites le test, combien de secondes faut-il pour dire une phrase telle que « Dieu est contre l'avortement hein, ». Dieu est contre l'avortement, ça prend moins de 3 secondes. Donc bonne nouvelle si tu veux prêcher ce genre d'idéologie, bah, tu fais des vidéos de 50 minutes qui parlent d'autre chose, tu glisses un moment que Dieu est contre l'avortement, et puis si quelqu'un vient te dire que tu racontes peut-être n'importe quoi, tu pourras toujours répondre « Non mais dis donc, tu te focalises sur un passage de 3 minutes sur une vidéo qui fait... de 3 secondes, pardon, sur une vidéo qui fait 48 minutes ». Maintenant que j'ai fait cette petite précision, on va passer à un commentaire qui va servir de fil rouge à cette vidéo. Alors, vous allez peut-être être surpris quand vous allez voir le commentaire, quand vous allez voir son contenu, vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi de l'analyser. Et vous allez d'autant plus vous poser la question qu'on va le faire dans un cadre un peu spécial. En fait, bien que je sache évidemment qui a laissé ce commentaire, et bien qu'un certain nombre d'entre vous le sache aussi, eh bien, on va se livrer à un exercice de pensée qui peut paraître un peu difficile, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je me suis entraîné et c'est tout à fait accessible.
on va analyser le commentaire sans tenir compte de l'identité de son auteur. Je vous ai donc mis le commentaire avec l'avatar masqué, le nom masqué, enfin le pseudonyme masqué, pardon. Donc on ne sait pas qui est cette personne. Imaginons qu'il y a eu un petit problème dans les circuits de YouTube, et en fait, vous avez vu ce commentaire qui s'affiche, mais impossible d'avoir l'avatar, impossible d'avoir le pseudonyme, on ne sait pas qui est l'auteur de ce commentaire. Ça va permettre de faire deux choses. La première chose, c'est que ça va permettre de nous intéresser aux arguments qui sont présents ou pas dans le commentaire et en gros à ce qui est tenu comme propos. On ne va pas invoquer des éventuels biais d'autorité ou au contraire se moquer de la personne parce que c'est un inconnu total. On ne sait pas qui est l'auteur. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un enfant de 7 ans? Est-ce que c'est un vieil universitaire de 58 ans? On ne sait pas, donc on va être obligé de juger sur les propos et rien que sur les propos. Et le deuxième point, c'est tout simplement que ça nous évitera d'être accusé de faire de l'ad hominem, puisque c'est un des arguments récurrents de certaines personnes qui n'ont toujours pas compris en 2018, à l'approche même de 2019, que attaquer un comportement, ce n'est pas attaquer la personne qui a ce comportement, tant que le comportement en question est lié à l'objet du débat. Allez, on est parti pour notre commentaire fil rouge. Première phrase, je suis un peu consterné par le procédé. Ouvre une parenthèse, on ne nie pas le vécu des gens, point d'exclamation, fermez la parenthèse. Et par les approximations et accusations en pagaille. Donc, a priori, juste une phrase d'introduction qui présente l'état d'esprit de son auteur, il est consterné, pardon, ou elle est consternée, ou cette personne non-binaire est consternée, et elle parle d'approximations et d'accusations. Les approximations, on va voir si cette personne les énonce. Bon, ça serait intéressant qu'elle développe un petit peu ce propos. Ce qui est très intéressant par contre dans cette phrase un peu générique, c'est la partie entre parenthèses, lorsque l'auteur du message affirme « on ne nie pas le vécu des gens ». Alors comme « on », c'est ce qu'on appelle la suppression de l'indice de référence, c'est-à-dire « on ne sait pas qui est ce « on », mise en abîme, moi je l'ai interprété comme un rappel d'une règle morale. Moi ce que j'entends, c'est pas que « on » désigne un groupe, et je pense qu'en fait ce qu'il veut dire, la vraie formulation de la phrase, c'est « ça ne se fait pas de nier le vécu des gens ». En fait, j'ai pas du tout nié le vécu du chat sceptique. Par exemple, lorsque il mentionne des pensées suicidaires, à aucun moment j'ai dit qu'il mentait. À aucun moment je dis qu'il n'a pas de pensée suicidaire, en fait. Du coup, le rappel tombe un peu à plat. Est-ce que c'est un argument? Je ne pense pas. Deuxième phrase qui, là, je dois l'avouer, m'a particulièrement exaspéré. C'est la seule de ce commentaire qui m'a touché. La phrase dit la chose suivante. « Vlet Tapas n'a pas « désexualité », entre guillemets, il a la sienne, bonjour le mépris. » Alors, vraiment, je ne sais pas qui est cette personne, donc la seule chose dont je peux être à peu près sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de Vlet Tapas, parce qu'à ma connaissance, Vlet Tapas ne s'exprime pas à la troisième personne, hein, en mode Alain Delon, donc a priori, c'est pas lui l'auteur, donc déjà, pourquoi est-ce que cette personne parle de la sexualité de Vlet Tapas à la place de Vlet Tapas? Bon, premier point. Et surtout, là, je vais clarifier, parce que c'est peut-être un vrai quiproquo, qui s'est passé entre mes propos et l'auteur du commentaire, on sait jamais. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo de Vlet Tapas dans laquelle il commente son outing, une vidéo dans laquelle il ne se désigne pas comme homosexuel, une vidéo qui commence en expliquant que personne ne devrait voir sa sexualité ou son asexualité mise sur la place publique, contre son plein gré. Donc, on voit déjà que Vlet inclut les asexuels ou les demisexuels peut-être dans sa formulation, et ensuite, à son propre sujet, il dit la chose suivante, il dit « Moi, Vlet Tapas, je suis attiré par les hommes, mais pas que, j'ai eu des très belles histoires avec des femmes, avec des personnes non-binaires et d'autres. » Donc, Vlet Tapas, dans sa vidéo, énonce quatre types de partenaires sexuels ou de partenaires romantiques, parce qu'après tout, il est peut-être asexuel, et justement, il ne le précise pas, et parce que moi, je ne méprise pas Vlet Tapas, contrairement à ce qu'insinue l'auteur de la vidéo, ou contrairement à ce qu'il a compris, je ne méprise pas Vlet Tapas et je ne méprise pas les autres orientations sexuelles qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas hétérosexuelles. Et je sais, sans rentrer dans les détails de ma vie privée, je sais que certaines personnes accordent beaucoup d'importance à distinguer bisexualité et pansexualité, ou à distinguer bisexualité et sapiosexualité, ou à distinguer asexualité et sapiosexualité, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas toutes les combinaisons. Et je sais qu'à l'inverse, il y a des gens qui, visiblement, mettent plusieurs étiquettes, utilisent plusieurs mots pour décrire leurs orientations sexuelles ou leur sexualité, alors que ces mots, en fait, sont pas complètement compatibles. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es pan, on peut en déduire que tu es bi, mais puisque le mot pansexuel,
sert justement à se distinguer de la bisexualité parce qu'un des propos, notamment dans certains militants de la communauté LGBTQ+, c'est de dire que bisexualité, ça renvoie encore au genre de tes partenaires, que du coup, pansexuel, c'est beaucoup plus englobant. Une personne bisexuelle, c'est finalement une personne qui ne sort pas avec des personnes non-binaires, par exemple. Mais tout le monde n'a pas la même appréciation du mot. Et je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement susceptibles sur la question. Et parce que je sais tout ça, contrairement à ce qui semble être le cas de l'auteur de ce commentaire, je prends la peine d'énumérer différentes possibilités, parce que, j'insiste, Vled a mentionné des faits, il a mentionné quelles étaient ses attirances ou ses histoires passées, mais à aucun moment il ne choisit de verbaliser explicitement et de s'enfermer dans une étiquette. Il ne dit pas « je suis pansexuel » ou « je suis sapio ». Voilà, j'ai revérifié la vidéo avant d'enregistrer cette réponse. Il ne dit rien de tout ça, et donc parce que moi je sais que quelqu'un qui n'a pas donné d'étiquette n'a pas forcément envie qu'on parle à sa place. Comme vous le savez, la plupart de mes vidéos ne sont pas scriptées, j'ai réfléchi à voix haute, j'ai énoncé plusieurs possibilités, bisexualité, pansexualité, sapiosexualité sont les trois que j'ai formulées, et pour respecter cette énumération, j'ai employé le pluriel. Alors, il est vrai qu'il est inhabituel de parler de sexualité au pluriel quand on parle d'une personne. En général, les gens disent « ma sexualité est comme ceci ou comme cela », les gens disent rarement « mes sexualités », bien qu'il existe des exceptions, il suffit de faire une recherche sur Google pour voir que ça existe. J'ai donc en tout cas choisi de ne pas trancher. J'aurais peut-être dû employer le mot « orientation sexuelle » au pluriel, et encore, certains seraient venus me dire qu'une personne qui a des partenaires masculins, féminins, cis, trans, non-binaires, etc., peut quand même être résumée par une orientation sexuelle qui serait la sapiosexualité, ou par exemple la pansexualité, tu vois. Et il s'avère que je ne veux pas trancher à la place de Vled, tu vois, ça s'appelle justement le respect, et ça s'appelle connaître un certain nombre de problématiques liées aux sexualités et en tout cas aux orientations sexuelles qui ne sont pas hétéro. Voilà, donc l'accusation du commentateur mystère est complètement déplacée par rapport à mon intention, elle est même déplacée par rapport à ce que j'ai dit factuellement et qui est vérifiable, elle est déplacée par rapport à ce que dit Vled et qui est vérifiable, il suffit d'aller voir la vidéo, et j'ajouterais que dans le contexte de tensions médiatiques, en tout cas sur internet, entre des hooligans de gauche et des hooligans de droite, des hooligans LGBTQ+, et des hooligans homophobes, ou réactionnaires, ou anti-LGBTQ+, etc., on n'est pas dans les nuances de langage, compte tenu de l'état actuel de notre monde occidental, où il y a beaucoup de tensions sur ces sujets, j'aurais tendance à penser que cette personne s'est amusée à flirter avec des accusations calomnieuses, parce que, compte tenu du fait que moi je suis hétérosexuel, bah, peut-être que elle s'approche dangereusement d'une forme d'accusation, par exemple, d'homophobie à mon encontre, même si je dois dire que c'est pas clair, donc c'est peut-être moi qui me fais des idées, c'est peut-être moi qui suis aux portes de la paranoïa, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi j'ai considéré que cette remarque était littéralement une sorte de déclaration de guerre, et heureusement que je ne connais pas l'identité de cette personne, parce que je peux toujours me dire que c'est juste un troll de 11 ans qui a décidé d'aller me taquiner là-dessus. Il a réussi à me taquiner là-dessus, et je conclurai en disant que cette phrase de ce commentateur mystérieux est profondément méprisante à l'encontre de Vled Tapas, en plus de l'être à mon égard, parce qu'il parle à la place de Vled Tapas, et donc il infantilise totalement Vled Tapas. Troisième partie de ce commentaire, dommage aussi de s'adonner à de l'analyse transactionnelle pseudo-scientifique, ou quasi, entre parenthèses, hein, ou quasi, quand on se réclame du scepticisme scientifique. Alors déjà, je ne me réclame pas du tout du scepticisme scientifique, alors je me demande si le commentateur a vraiment écouté la vidéo avant de commenter. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir été consulté mes autres vidéos, ou de ne pas avoir lu l'à-propos de la chaîne, encore que sur ce point, ça aurait peut-être été pas mal d'aller vérifier un truc qui peut se vérifier en 3 clics et en 15 secondes de lecture. Je ne parle pas de scepticisme scientifique dans la description de ma chaîne, je parle de psychologie, je parle de biologie, mais je ne parle pas de scepticisme scientifique, et ceux qui suivent ma chaîne savent que ce n'est pas un mot que j'emploie énormément, j'emploie beaucoup le terme « rigueur intellectuelle ». Moi, c'est le mot que je vais préférer parmi le champ lexical de la logique, de la rationalité, de la démarche scientifique, de la démarche expérimentale, qui ne recouvre pas exactement les mêmes choses. Moi, mon automatisme de langage, c'est de parler de rigueur intellectuelle. Reste un argument qui aurait pu être intéressant, parce qu'effectivement, alors je répète, on ne sait pas si cette personne se considère comme faisant partie de la sphère zététique, etc. Mais c'est bien l'argument d'un zététicien que de dire que l'analyse transactionnelle est une pseudo-science.
manque de bol, la personne a l'air d'admettre qu'en fait elle ne connaît pas assez le sujet pour trancher, puisqu'elle nuance son propos en mettant quasi, entre parenthèses, mais je ne connais pas les quasi-pseudosciences. Je connais les pseudosciences et je connais la science, et je ne savais pas qu'il y avait un truc au milieu. Donc, bah, si tu ne connais pas assez l'analyse transactionnelle pour trancher, pourquoi utiliser cet argument ? Si ce n'est pour essayer de sauver les meubles, je ne sais pas pourquoi tu veux sauver des meubles. Dommage, parce que ça pouvait être un argument typique d'un zététicien qui dit « Haha, vous utilisez l'analyse transactionnelle, vous faites donc de la pseudoscience. » Et on peut aller plus loin, je rappelle qu'un certain nombre de grilles que j'utilise dans le coaching, par exemple Spiral Dynamics aussi, sont très difficilement falsifiables, et que par conséquent, j'ai parfaitement conscience que les zététiciens les plus orthodoxes, les plus prisonniers de leur logiciel, ne pourront que m'accuser de faire de la pseudoscience, etc. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu me joindre à une quelconque sphère zététique, parce que je sais très bien comment ces gens-là regardent le coaching, et je sais que je ne ferai jamais partie de leur club de personnes autoproclamées. Dommage encore d'exiger de la scène zététique qu'elle traque les moindres éléments argumentatifs douteux, comme si c'était une fin en soi. Bonjour l'incompréhension sur ce qu'est la zététique. Alors, ne connaissant pas l'identité de cette personne, je connais absolument pas sa maîtrise de la méthode zététique ou sa connaissance de la sphère zététique. Donc sur l'idée d'une incompréhension, bah, j'aurais te dire, je m'en fous. Je ne reçois pas cet argument, qui ne me paraît pas vraiment d'ailleurs en être un. Reste la première partie de la phrase qui est intéressante. Est-ce que j'exige de la scène zététique qu'elle traque les moindres éléments argumentatifs douteux ? Absolument pas, parce que je sais très bien que les zététiciens autoproclamés sont des êtres humains, qu'ils ont une vie amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle peut-être en dehors de YouTube, et que donc, bah, ils ont des conflits, ils ont des montées d'émotions, on est tous biaisés. Je ne m'attends évidemment pas à ce qu'un zététicien passe 24 heures sur 24, en tout cas tout son temps de veille, à être dans la vérification et le doute sceptique. Simplement, je constate que j'ai pointé un certain nombre de comportements qui sont hautement questionnables chez le chat sceptique, et que aucun zététicien ne l'a fait publiquement. Voilà ce que je constate, ça n'implique pas de leur demander de chasser tous les éléments argumentatifs douteux. Donc là encore, notre interlocuteur inconnu, ben en fait, ne semble pas vraiment avoir suivi la vidéo qu'il se permet de commenter. On passe à la phrase suivante qui dit « Les zététiciens, entre guillemets zététiciens, sont forcément autoproclamés, autoproclamés entre guillemets, espèce de génie de petits points, aucune formation n'existe et personne ne peut avoir l'autorité d'adouber qui que ce soit zététicien. Rappelez que nous sommes autoproclamés à plusieurs reprises comme vous le faites, confine donc à l'ad hominem. Et franchement, on croit rêver vu le thème de cette vidéo. » Alors, premier élément très important, cette phrase comporte une contradiction qui devrait vous sauter aux yeux. C'est que la personne nous dit qu'il n'y a effectivement aucune formation, aucun diplôme, aucun processus de recrutement, et que donc toute personne qui se réclame de la zététique est forcément autoproclamée. C'est ce que dit ce commentaire. Mais apparemment, le fait de rappeler que les zététiciens sont autoproclamés, c'est pas bien, c'est de l'ad hominem. Là, on est à un niveau assez kafkaïen au niveau du contenu logique de cette formulation. Passons à la phrase suivante qui dit « Tout ça manque cruellement de classe, d'empathie et de talent et je plussois le contenu du commentaire de Monsieur Sam. » Alors, « Tout ça manque cruellement de classe, d'empathie et de talent, n'est-ce pas une forme d'ad hominem ?» Empathie, le commentaire n'en fait pas montre non plus. Du coup, là encore, qui est cette personne pour donner des leçons d'empathie ? De talent, où est l'intelligence du commentaire jusqu'ici ? Ça va peut-être changer à la fin, on va peut-être avoir un twist, hein, mais pour l'instant, c'est pas très brillant. De classe, c'est une appréciation personnelle et je n'ai jamais prétendu faire preuve de classe dans mes vidéos. Et pour ce qui est du commentaire de Monsieur Sam, alors, je ne sais pas trop exactement auquel il fait référence, parce que ce Monsieur Sam, qui est un membre de la scène zététique, a laissé plusieurs commentaires, mais puisqu'on parle de Monsieur Sam, je note un premier point, c'est que il m'affirme dans un commentaire, et lui, on sait qui il est, donc on sait qu'il a 47 000 abonnés, on sait qu'il fait des vidéos de vulgarisation, on sait même qu'il a collaboré à la vidéo du chat sceptique consacrée au terrorisme. Du coup, la prise de position de Monsieur Sam pour défendre le chat sceptique n'est-elle pas un peu sujette à caution en matière d'objectivité ? Et ce Monsieur Sam, non content de me suggérer d'effacer ma vidéo, donc un appel à l'autocensure, c'est pas mal pour quelqu'un qui prétend promouvoir l'esprit critique. Bon, c'est un concept, hein, demander aux gens de supprimer leur contenu. Ce Monsieur Sam nous dit... Il peut abandonner, alors à mon sujet en fait, hein, il dit que je peux abandonner l'idée de progresser dans le milieu zététique,
car ma vidéo a circulé et la communauté est unanime, ce qui est particulièrement rare. Alors, je suis ravi d'apprendre que l'unanimité, c'est pas courant chez les zététiciens. Je ne savais pas non plus que la zététique avait un nombre de membres parfaitement défini et fermé qui puisse permettre, qu'on peut se permettre d'affirmer qu'il y a une unanimité. Du coup, je sais pas, est-ce que tu connais les 49 membres de la scène zététique, par exemple? Est-ce que c'est pas là un peu une forme de généralisation? Mais surtout, ça contredit totalement ce que nous a dit notre interlocuteur mystère. Bah oui, notre interlocuteur ou interlocutrice mystère nous dit qu'il n'y a aucune formation et que personne ne peut avoir l'autorité d'adouber qui que ce soit zététicien. Alors, c'est bizarre, parce que alors, il parle peut-être d'adouber au sens de décerner un diplôme, parce que visiblement, d'après ce que dit Monsieur Sem, qui lui m'a l'air un peu plus connaisseur que toi du milieu, que lui on sait qu'il est zététicien, eh bien d'après Monsieur Sam, il y a clairement de la cooptation. Hein, puisqu'il me dit que je dois perdre tout espoir de progresser dans le milieu zététique. Alors, à moins que M. Sam ait une grille personnelle, hein, ça peut dépendre de son caractère et de sa personnalité psychologique, peut-être qu'il a une vision très carriériste des choses, c'est possible, mais en tout cas, ça contredit complètement ce que dit notre invité mystère. M. Sam m'a également contacté par message privé. C'est la seule personne qui, suite à cette vidéo, m'a contacté par message privé. Hein. J'ai pas reçu de mail de Vlad Tapas, j'ai pas reçu de mail du chat sceptique, mais j'ai reçu un mail de Monsieur Sam. Bon. J'aurais tendance à penser, vu qu'il a l'air d'avoir une idée de carrière au sein de la zététique et de cooptation, que Monsieur Sam fait peut-être du zèle pour être promu dans cette communauté dont il nous dit que on peut ou pas envisager d'y progresser. On approche de la fin du commentaire mystère, rassurez-vous, je sais que c'est un peu long, donc une dernière phrase qui nous dit « Ce message vaut ce qu'il vaut puisqu'il est écrit par un inquisiteur dangereux, pire ennemi de l'esprit critique. » Alors là, je suis un peu désarmé parce que la seule personne que j'ai qualifiée d'inquisiteur dans ma vidéo, c'était Assermant d'Axe de la Tronche en Biais. Ça peut aussi s'appliquer un petit peu à Dari de la chaîne Temps Mort, puisque j'ai dit que Dari sortait sa fourche de l'esprit critique pour pourfendre des documentaires qui sont effectivement des montages, etc. Le truc, c'est que, bon, je pense pas que ce commentateur soit Assermant d'Axe, parce que Assermant d'Axe, il est quand même capable de passer 3 heures sur MetaTV pour débattre avec le public de MetaTV, de participer à plus de 170 vidéos sur la chaîne de la Tronche en Biais. Je pense qu'il est capable de beaucoup mieux que ça, donc j'ai du mal à croire que ça soit Assermant d'Axe. Et du coup, j'arrive d'autant pas à comprendre que ma phrase dans la vidéo précédente dit que le fameux Assermant d'Axe est prompt à se livrer à des inquisitions dans certaines de ses vidéos, dans certains de ses débats, pour être plus précis. Donc quand je dis dans certains de ses débats, ça veut dire que c'est pas dans toutes ses publications, c'est pas dans tous ses débats, c'est pas dans toutes ses vidéos. Le commentateur qui peut-être se prend pour Dari ou Assermant d'Axe n'a pas entendu la nuance. Même chose pour le fait d'être le pire ennemi de l'esprit critique, puisque ma phrase dit textuellement « Les personnes les plus dangereuses sont peut-être les zététiciens, sont peut-être ces gens-là ». Alors, la phrase reste provocative, hein, provocante, j'en ai bien conscience, mais bon, je dis quand même « peut-être ». Et puis, dans ma vidéo, j'invite les gens à débattre, j'invite les gens à se faire un avis. Je ne sais vraiment pas pourquoi il a réagi comme ça, mais il a vraiment rien compris. Une fois de plus, la phrase montre que c'est pas trop ça au niveau de la cognition. Petit bonus, ça finit par un bisou, délicieusement ironique, parce que, je suis un peu désolé, mais quand tu invectives quelqu'un, quand tu flirtes avec l'accusation d'homophobie, quand tu lui dis « vous, monsieur », etc., pourquoi bisou, en fait? Ça me fait penser à ces gens qui envoient un mot de rupture à leur ex, un SMS de rupture, ou qui les appellent, qui les injurient pendant une heure et qui leur disent « bonne continuation ». Ouais, j'espère que tu vas avoir de l'herpès parce que tu m'as trompé, mais bonne continuation. Bah non, tu ne dis pas ça. Et puis, sans vouloir faire mon social justice warrior, parce que vous savez que ce n'est pas ma philosophie, même virtuellement, je n'ai pas consenti à ce que tu déposes tes lèvres sur ma joue. Tu es peut-être une très belle femme d'1m90, mais vu ce que tu écris, je ne t'autorise pas à me faire un bisou. Donc, je te conseille, toi qui parles de mépris à l'encontre de Vlad Tapas, de travailler ta maîtrise du consentement. Et ce n'est pas tout, il y a même un post-scriptum au commentaire qui dit « Je ne suis pas intéressé par un échange avec vous, monsieur. » C'est pour ça que je parlais juste avant du contraste entre le bisou et le monsieur. « J'ai plus d'estime pour les tenants croyants sincères que pour les pseudo-zètes. » Donc ce post-scriptum, il est marrant à cause du fait que pseudo-zètes semble être, dans la bouche de notre auteur mystérieux, semble être vraiment l'injure ultime. Quoi, c'est un pseudo-zététicien, c'est-à-dire tu voudrais être zététicien, mais tu n'arrives pas à la cheville d'un zététicien, et puis au moins, les tenants croyants, ils sont sincères, alors toi, tu n'es pas sincère. C'est marrant, parce que quand je vais
sur la page Wikipédia qui parle de la zététique. La page Wikipédia me précise bien que la zététique recommande de penser avec ordre et méthode en tenant à distance dogmes et préjugés et idées reçues. Alors c'est marrant parce que, visiblement, il y a un préjugé de la part de l'auteur sur ma sincérité. Il ou elle préjuge de ma sincérité. Et puis pour ce qui est de l'ordre et de la méthode, c'est pas ça non plus, quoi. Donc si c'est un aspirant ou une aspirante zététicienne, bah franchement, il lui reste beaucoup de progrès à faire. Alors il est temps, malheureusement, de mettre fin à cet exercice de pensée dont j'espère que vous avez vu à quel point il était intéressant pour la gymnastique mentale que ça demande. Ça permet là aussi de travailler sur notre cadre mental. Il est temps de mettre fin à l'anonymat de l'auteur. Pour ceux qui ont vu les commentaires de la précédente vidéo, vous savez sans doute de qui il s'agit. Et il s'agit ni plus ni moins que d'Asserment d'Ax. Alors, c'est un peu surprenant, parce que Asserment d'Ax, je l'ai dit un peu plus tôt, nous a habitués à être capables de débattre pendant 3 heures avec le public de Meta TV. Mais là, visiblement, il y a eu un petit problème au niveau cognitif, et Asserment d'Ax a choisi d'être agressif, de flirter avec la calomnie. Il a multiplié les arguments illogiques, il n'a pas compris que je niais pas le vécu du chat sceptique, et ainsi de suite, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Mandax? Je sais, j'ai l'air condescendant, et je ne m'adresse pas vraiment à toi, en fait. Hein, c'est une mise en scène. Parce que Mandax ayant conclu son commentaire par le fait qu'il ne voulait pas échanger avec moi, ce qui est aussi, d'ailleurs, la conclusion de Sam dans l'un de ses commentaires. Donc, je me demande un peu pourquoi les mecs, vous écrivez des commentaires si vous ne voulez pas que je les lise, ou si vous ne voulez pas que j'y réponde. Ça s'appelle un petit peu un stimuli paradoxal. Ça s'appelle un peu de la double contrainte. Et à ma connaissance, vous n'êtes pas des thérapeutes de thérapie brève de l'école de Palo Alto ou des hypnothérapeutes. Donc les mecs, je pense que vous avez juste une posture très infantile, en particulier dans le cas de Mandax. On a vu que Sam, lui, avait peut-être d'autres implications parce qu'il a participé aux vidéos du chat sceptique, au moins à une vidéo. Asserment d'Ax, clairement, il a réagi d'un point de vue émotionnel. Ça me fait penser à un terme que j'ai découvert sous la plume de Robert Sapolsky, qui est le terme de justice limbique. Quand on joue au jeu de l'ultimatum, qui consiste à mettre une somme d'argent et deux joueurs, dont le premier propose à l'autre une répartition qui n'est pas négociable, donc imagine, il y a 100$ entre toi et moi, c'est moi qui joue le premier et je dis voilà, moi je prends 80$ et je t'en donne 20. Et si tu refuses ce que je te propose, aucun de nous deux ne touche l'argent. Et ce qu'explique Sapolsky, c'est que quand les gens refusent, s'abordent le deal finalement, en fait ils le font déjà sous le coup de la colère, et avec l'envie de punir. C'est-à-dire que la logique de ces gens, c'est de dire « Ah ouais, tu me proposes que 20$, et bien puisque c'est ça, tu n'auras pas tes 80$, je vais faire en sorte que tu t'assoies bien sur ta somme d'argent. Bon, mais du coup, je vais m'asseoir sur 20$. » Et c'est dans ce contexte-là que Sapolsky parle de justice limbique, expression que je trouve vraiment géniale. Petite remarque, la nuit est en train de tomber, donc désolé pour la qualité de l'image. Et là, clairement, je pense que Mandax a été comme ça le jouet de son système limbique. Il a été complètement dans une recherche de justice limbique parce qu'il s'est senti attaqué. Il a cru comprendre que je le résumais au terme inquisiteur ou que je le résumais au terme pire ennemi de l'esprit critique, alors que j'ai mis, comme on l'a vu, des nuances. Il y a clairement un truc individuel, égotique, dans la réaction de Mandax. Mais les seules personnes qui ont été à ce point-là désagréables ou qui ont vraiment eu des taches aveugles énormes dans leur raisonnement, ce sont des gens qui se réclament de la zététique, je suis obligé de conclure que certains zététiciens, là encore, je mets une nuance, mais je suis sûr que le zélote qui s'égarera sur cette vidéo n'entendra pas la nuance, tant pis pour lui. J'en profite pour préciser que je ne mets pas Hygiène Mentale et Christophe Michel dans le même sac que Asserment d'Ax ou que ce monsieur Sam, qui m'accuse au passage de faire dans le sensationnalisme et dans l'appel au clic, alors que quand on va sur sa chaîne, on voit que 80% des miniatures ont le mot « fake » écrit en gros, et qu'il a fait du name-dropping, par exemple, sur Alexandre Astier. Donc, si c'est pas quelqu'un qui fait du sensationnalisme et de l'appel au clic, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je note que, donc, tous ces zététiciens qui ont réagi de manière extrêmement négative, tous ceux qui ont réagi sous ma vidéo, sont dans un paradoxe consistant à défendre le groupe contre l'esprit critique, alors que le credo du groupe, c'est justement la promotion de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ces gens choisissent non pas de défendre les valeurs du groupe, mais le groupe en tant que tel. On est dans une réaction tribale, et ça, pour moi, c'est le début de la dérive sectaire. Quand on t'interdit de critiquer les membres du groupe, alors que les membres du groupe sont peut-être en train de faire le contraire de ce qui est prôné officiellement par la zététique, je pense qu'on est clairement dans une dérive sectaire. Et l'appel à l'autocensure fait par M. Zam me semble aussi caractéristique des réactions de groupes sectaires lorsqu'ils sont attaqués. On essaye de faire taire les critiques, on essaye de cacher ce qui pourrait porter atteinte à l'image du groupe.
c'est totalement une dérive sectaire. Je ne pense pas que tous les zététiciens soient là-dedans, même s'ils sont tous autoproclamés comme l'avoue à serment d'Axe, tout en se contredisant, etc. Voilà le triste constat que je fais, mais triste constat au moins, j'espère que vous aurez des sourires en voyant le niveau incroyable de virtuosité logique dont a fait preuve à serment d'Axe dans sa réaction. Pour ma part, je vais refermer cette polémique avec cette vidéo, puisque les intéressés ont explicitement exprimé noir sur blanc qu'ils ne voulaient pas dialoguer avec moi, donc s'ils se permettent de commenter la présente vidéo, j'effacerai leurs commentaires évidemment. Je ferai peut-être des copies d'écran avant parce que ce sera toujours l'occasion de revenir les taquiner un petit peu d'ici quelques mois lorsque je serai désœuvré, mais je suis loin d'être désœuvré. Vous le savez, je cours après le temps, et d'ailleurs ça m'embête un peu d'avoir dû consacrer 2 heures à enregistrer une vidéo sur le sujet, mais vu les choses qui ont été tenues à mon encontre, vu les propos qui ont été tenus à mon encontre, je voulais quand même clarifier certaines choses et puis montrer que j'avais effectivement touché un nerf et que clairement, il y avait une dérive sectaire chez certains zététiciens. J'espère que la vidéo a été enrichissante et stimulante malgré la lumière décroissante. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.